Bonjour les joueurs de Euphonium et Tuba, bienvenue à leçon numéro 2 pour les sixième année. Aujourd'hui, on va apprendre comment de jouer notre gamme de bémol concert au complet. L'année passée, si tu te souviens, on avait appris comment de jouer notre gamme, mais comme la cheater version. Alors aujourd'hui, on va apprendre comment de jouer tout au complet pour notre instrument. Alors, on va commencer en premier avec les premières six notes qu'on connaît. B bémol, C, D, E bémol, F et G. On va jouer chaque note pour deux battements en allant en haut et en retournant en bas. 1, 2, 3. On va faire ça encore. Cette fois-ci, je vais jouer plus bas pour les tubas. 1, 2, 3. Pour jouer les deux dernières notes de la gamme, on a besoin de jouer un A et un B bémol. So pour le euphonium et pour les tubas, c'est les deux mêmes notes, ça juste sonne un peu différent. So c'est pour le A, c'est un doigt au milieu et on avait le A avant, mais c'est juste un peu plus haut. Et ensuite un B bémol qui est un peu plus haut avec aucun doigt. So les deux notes sont comme ceci. Ça c'est pour les euphonium, pour les tuba. Okay. So si on joue toute la gamme au complet, ça va sonner comme ceci, avec deux battements pour chaque note. Pour les tubas, ça va être un peu plus bas. Je vous encourage de pratiquer ça quelques fois. Merci.